Le Conseil présidentiel de transition informe dans un communiqué qu'il n'accorde aux secteurs qui n'ont pas encore désigné leurs représentants un délai supplémentaire terminant le 26 août 2024 pour le faire, reconnaissant que le retard observé jusqu'ici est dû à des contestations ou à des irrégularités de la part des secteurs contactés. Par ailleurs, le Conseil présidentiel de transition donne l'assurance que la date du 28 août retenue pour la mise en place du Conseil électoral provisoire sera respectée. Et pour en parler, nous avons avec nous sur le plateau Maître Patrick Laurent, consultant juridique de Métropole. Avec lui, on abordera également d'autres sujets, notamment les sanctions américaines contre le président Michel-Joseph Martelly. Bonsoir Maître Patrick Laurent, bienvenue sur le plateau. Bonsoir, c'est un plaisir de répondre à votre invitation. Bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices de Télévision Métropole Métro News. Alors, plusieurs personnalités politiques, notamment en série de anciens premiers ministres, anciens présidents sanctionnés soit par États-Unis ou bien Canada. Le dernier en cas en cours, c'est des sanctions qui prend contre président Joseph Michel Martelly par les États-Unis. Mais il y a un pile spécialiste qui a parlé ce dossier et on dit que c'est en décision politique et non judiciaire. Qui ça nous doit comprendre, sous qui base, il dit que c'est en décision politique et non judiciaire, M. Patrick Laure. Bon, par contre, sous qui ça, il chita pour taser son position politique, vous savez, c'est des grands intérêts politiques, comme c'est les États-Unis, Patavlé et Michel Martelly, sur le plan politique, il y a des problèmes politiques. Bon, alors la vérité, c'est que ça ne qu'a dit, c'est que jusqu'à présent, la justice américaine n'a pas qu'on saisi de dossier. Ce n'est pas seulement pour le président Martelly, c'est pour le premier ministre Lamotte, c'est pour le sénateur Foucan. Décision, ça prend, c'est pour une décision judiciaire. Là, on dit que c'est pour une décision judiciaire, ce n'est pas un tribunal qui prend une décision contre eux. Ou bien jusqu'à présent, pas gain, ça nous a dit, en Haïti, pas une action publique en mouvement contre eux. Ça veut dire, procureur aux États-Unis, si vous voulez, pas déposer un dossier dans le tribunal contre ni Laurent Lamotte, ni Michel Martelly, ni Foucan. Maintenant, la décision que prend, c'est une décision qui est dans le trésor américain. Il n'y a pas qu'une décision juridique. Et à ce moment-là, il y a même qui concerné, capable d'écrire, et service concerné pour dire où il y a des fonds erreur. Ou bien, ça, ce n'est pas comme ça, ça a été. Il y a des suppléments d'informations. Soit, il y a rectifié, ou bien, il y a maintenu la décision. Mais sur le plan, on a dit, en termes judiciaires, il n'y a aucun tribunal américain qui saisit de questions. Ça, au tel point que, on a dit, bon, qu'il est là, moi, d'apparaître devant le tribunal, qu'il est Martelly apparaître devant le tribunal, qu'il est Foucan apparaître tribunal, pour ne citer que cela, puisque, au fond, les décisions, ce n'est pas une décision judiciaire. Maintenant, Maître Patrick Laurent, qui ça qui a vinrenni son décision judiciaire? Qui ça pour déclencher, par exemple? Bon, alors, comprenez bien, si le gouvernement, l'État américain, gain une infraction, un crime, une faute, yo reproché un citoyen qui te commet sous territoire, hein? Ok, li capable, yo, à ce moment-là, il est capable de saisir un tribunal. Même genre, nous avons un exemple ça en Haïti, gain des mouns qui la justice américaine besoin, soit yo extradé, alors Haïti voué le bayo, généralement, yo transféré moun sa yo, bayo. Et la justice américaine, ils ont jugé, gain fin pugé peigne, qui ont déporté ou tourné dans le pays. Mais dans le cas de sanctions qui prennent par le trésor américain, il n'y a pas qu'on gagne une portée judiciaire. Ça veut dire, pour les gens, il n'y a pas qu'on accuse, en termes techniques, si vous voulez, il n'y a pas qu'on accuse de rien sur le plan judiciaire, pour dire qu'on ne parle pas devant le juge pour y aller plaider. Évidemment, la décision ça qu'on a dit, c'est capable des mesures provisoires ou bien des mesures pour permettre, alors la même décision pour permettre, nous avons amendé, si on qu'on fait, ça a reproché, ça a indexé là-dedans, pour changer comportement. Est-ce que nous avons dit son, une sorte de rappel à l'ordre? Puisqu'on dit, nous, c'est
une décision côté il aura appelé Mounio si on te connait pas bagarre pas faire encore. Est-ce que c'est même gens dit un petit monde pas fait ça encore mais sauf elle mais ça va priver au pied de. OK. Alors la vérité ça même nous petit goutte plus puisque même s'il pas devant tribunal mais il y a des incidences économiques financières qui arrivent. Notamment gel de gel fonds alors là dit gel fonds comme bloqué. Yo même demandé pour moun pas faire affaire avec yo, a dit pas faire business avec yo, pas acheter la main yo. Donc c'est pas vendre yo si vous voulez. Mais il y a aspect ça et même incidence sur le plan local, il y a un pile moun qui prend des sanctions internationales que Canada ou bien États-Unis et même Haïti, secteur financier, secteur bancaire en Haïti a réagi. Yo pas bloqué comme là même, mais dit pas de problème non. Vin chercher Kobo. Yo écrit une gentillette pour dire vin chercher Kobo. C'est bon comme là en liquide, pas fait en chèque bon, ou bien alors, yo remet tout Kobo. Le grand dilemme qui gagne, yo remet tout Kobo là par chèque. Donc les gens peuvent pas utiliser puisque bon, pour ta ka utiliser, faut ta ka changer. Justement. Ou pas ka cacher. Mm-hmm. Alors même dit pas ka cacher en met un bémol. Si Kobo gagne dépasser 10 000 dollars. Or, en Haïti, c'est dans des visas américaines qu'on y a, il y a des gens qui sont normales, qui n'ont aucune sanction ni internationale, ni sanction judiciaire haïtienne contre lui, ou bien comme la banque, qu'on y a, ou elle font retrait 300 dollars, et que dit non, 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 je dis à ces 100 dollars en bas. Voir pour ta gonchec 10 000, 30 000, 100 000, 1 million de dollars. Donc, ce qui veut dire, même si dossier, après un dossier judiciaire, qui est devant un tribunal pour le moment, mais il y a des incidences économiques qui sont très fortes. Là, tout système financier là, fait main contre tout. Ou pas, ou bien comme la banque, ou remet au cobla, et là, ou remet au cobla, ou pas qu'à. Al cacher et ou pas qu'à utiliser avec un autre monde puisque au fond depuis sous en Haïti on a parlé depuis sous Lalo ministre Lalo il était interdit double endossement ça veut dire qui ça son monde ban mon chèque là parti clon et puis me dit on cob et puis me dit ah mais m'endosser chèque là m'baoul ou pas qu'à le déposer sur compte faut qu'on compte qui le compte Patrick Laurent compte PAM pour me déposer ma bon l'autre chèque donc imaginez que mon yo ferme compte lui yo remet au chèque là et à ce moment-là il pas qu'à utiliser donc son véritable m'ta qu'à dire sur le plan financier sur le plan économique il sont décisions qui très fortes mais sur le plan judiciaire est-ce que le fait que yo sanctionne là par le Trésor américain, le département du Trésor américain, sanctionné. Est-ce que ça veut dire déjà où sont accusés? Non. Maître Patrick Laurent, il y a un bon monde qui a posé cette question. Sous qui ça qui t'a doué rôle justice haïtienne, par exemple, dans le dossier ça? Est-ce que le gouvernement doit entreprendre une série de démarches pour que, au niveau en Haïti, nous-mêmes en Haïti, pour la justice haïtienne, saisir le dossier? Bon, alors, un principe clair, comme si, général. Le crime, il y a des crimes territoriaux. Si vous n'avez pas commis aucune faute en Haïti, même s'il y a poursuivi les États-Unis, même s'il y a poursuivi en France, même s'il y a poursuivi le Canada, la justice haïtienne n'a pas rien pour le dire dans ça. À moins que tu aies un trait judiciaire, tu dis, un juge, un tribunal qui m'a dit, bon, je vais juger tel monde là, pour tel fait, mais j'ai des pièces qui sont sur le territoire là. Mais tu as besoin. Des preuves tangibles. Oui, tu as besoin, j'ai des aides qui font, etc. La justice a un trait judiciaire. Ça, c'est une autre question. Maintenant, si moun sa reproche moun nan, et que la justice haïtienne, ou bien le gouvernement haïtien, tu as pensé que, par exemple, si on reproche un nègre qui a financé groupe armé, ou des groupes armés, donc ou, c'est comme si on était dans l'association de malfaiteurs, enfin, pile crime en Haïti, et que Haïti est capable d'intéresser. Alors, par contre, dans ce sens-là, gouvernement haïtien, pour le garder des preuves, vous voulez, tu as écrit, et par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères, gouvernement américain vous dit, maintenant nous avons des gens qui ont sanctionné et qui ont dit qu'ils ont financé la gang en Haïti. Donc, il y a des associations criminelles. Donc, les gens qui ont financé sont auteurs intellectuels. Ils sont complices. Alors que bah, ça a causé à Haïti un grand problème. Nous avons intéressé pour nous mettre
l'action publique en mouvement contre Mounsa. Parce que si on finance crime, on finance gang en Haïti, eh bien, Mounsa commet et encourager qu'il y a commettre crime sur le territoire. Et à ce moment-là, nous connaissons, en Haïti, généralement, nous gagnons un défi de sécurité et de l'insécurité alimentée par les groupes armés. Et quel que soit le monde qui a participé de près ou de loin dans le financer l'activité criminelle en Haïti, l'État haïtien, au premier chef, a dû servir et mettre l'action publique en mouvement. Mais naturellement, la justice n'a pas servi de zin. Ce n'est pas parce qu'autant de monde dit qu'il a reproché un tel de on fait, et pour courir, il a mis l'action publique en mouvement contre lui, parce que chaque fois qu'il vient arriver, sourire le juge haïtien va gagner la main. Non, maintenant, et si rapport ça que États-Unis gagnent, ils voyaient pour la justice haïtienne aujourd'hui? Bon, oui, c'est le documenté. Le commissaire gouvernement m'espérait qu'il était très content avec un dossier très complet pour le saisir comme une instruction en termes techniques, mettre l'action publique en mouvement, donc saisir comme une instruction pour que le juge d'instruction approfondisse l'enquête là et ensuite pour qu'il voir qu'il s'est jugé. Parce que ça qui vient arriver, il fait plus tôt à la société, il y a des gens qui financent les gangs et puis là, il devait arriver devant la justice, pas de gain de preuve. C'est un bail fantaisiste. Les ça, les fait société a pi mal. Parce que grand pile moun kap koute nous la, grand pile moun kap gade nous la, gen petit yo kidnappé, gen petit yo mouri, yo perdu kayo, yo pa ret la kayo. Le autant de yo pren un moun qui ta participé dans gang ou des complices, moun nan pou souffre au moins. La justice a vu, et l'arrivé le tribunal. Oui, manquer preuve. Manquer preuve. Donc à ce moment-là, je pense que c'est un travail qui est très sérieux et pour que très documenté et pour l'État haïtien, tu as très précautionné, très sensible, si vous voulez, si il y a des gens qui ont mené dans des actes qui ont financé des crimes que l'État haïtien a supposé très intéressé pour connaître qui est dans le dossier, pour gagner des détails, pour que la justice haïtienne puisse mettre en branle. Pendant que le dossier s'allie au cœur de l'actualité en Haïti, nous connaissons, il y a aussi le gouvernement de transition et également le CPT qui doit travailler pour justement arriver à résolution. C'est un grand chantier que vous avez comme feuille de route pour transition ça. Et un grand chantier, ça, c'est l'organisation des élections qui a passé, bien sûr, par la formation du Conseil électoral provisoire. Et concernant le Conseil électoral provisoire, là, nous connaissons pile tergiversation, pile discorde entre secteurs pour yo désigner représentants et avec le CPT qui, je dis, à partir du 26 août, dès que yon secteur yo, c'est vraiment dernier délai pour secteur yo voyez représentant yo. Maintenant, nous, on est gens curieux, M. Patrick Laurent, pour nous connaître qui s'est passé si secteur yo pas arrivé en temps. Est-ce que Conseil présidentiel transition est capable de décider d'emboîter le pas simplement avec monde qui voyez représentant yo, ou du moins est-ce que même il a désigné tout carrément au monde pour secteur là? Bon, c'est une très belle question. Et la Constitution 87 a un article transitoire. Bon, 87, premier. Ouais, c'est transitoire pour que vous montez le conseil électoral et puis gagner des secteurs qui n'ont pas conseil. Maintenant, alors, il y a des précédents. Là, un secteur, Pavle Vouimoun, et président en ce temps-là, qu'on choisit de l'autre, ou bien ajouté de l'autre secteur. Quand il y a un accord 3 avril, est-ce que l'accord 3 avril, là, t'es dit. Mais dans quel secteur a choisi mon yo? Son autre bain. Ou bien, quand tu as dit, c'est le secteur qui a voyé. Je pense que malheureusement, parce que l'accord n'a pas publié jusqu'à présent. Parce que, oui, alors, c'est ça le drame. C'est ça le drame. Parce qu'on a parlé de mon accord sur le plan, alors, on a dit, sur le plan juridique qui n'est pas opposé à Bautière, puisque, au fait, en Haïti, les actes d'État, ils sont supposés publier dans le moniteur. Donc, en fait, ça n'a pas là sur le plan juridique, son rimeur, c'est une forme de tripotage. Ils ont dit, nous, on a un accord. Aussi, on a un accord qui engage l'État haïtien. Il faut qu'il ait publié dans le moniteur. Bon, on ne va pas vous dire ça pour quelle raison ou pour l'autre, il n'a pas publié dans le moniteur. Bon, naturellement, quand il y a un accord, qui ça a dit? Est-ce qu'il y a désigné mon nom dans le secteur? Au tel cas que si je dis, pour le secteur presse, la voie moun, il n'y a pas voie moun, mais il n'y a pas dit que c'est le secteur presse qui oblige voie moun, même si je choisis mon nom dans le secteur, je n'ai qu'à choisir mon nom dans le secteur, pas voie moun. C'est comme si je dis, le secteur pour la voie moun, son courtoisie.
Il doit choisir un monde dans le secteur. Donc, si c'est comme ça qu'on va le faire, eh bien, bon, si le secteur va le voir, et bien, comme il faut que tu choisis, faut qu'il y a fait beaucoup plus large, il faut qu'on représente chaque secteur, ou bien représente chaque corps de métier, plus ou moins chaque corps de communauté, il y a qu'à choisir de l'autre monde qui parle. Mais sauf que ne pas créer un problème. Parce que si c'est conseil présidentiel là qui vient prendre ou mettre au négocié électoral là, et puis vous parlez monsieur AJHO, il n'y a pas désigné pour aller. Donc, vous avez l'impression que c'est une crise dans la crise qui peut poser plus de problèmes. C'est ça que tu as souhaité. Au fait, c'est pour montrer tout qu'on y a maintenant que y a une crise profonde en Haïti, ce n'est pas seulement une crise politique, c'est une crise sociétale. Monsieur politique, il dit ok, il faut protester, envoyer les gens, problème. Faut droits humains, envoyer les gens, problème. Faut que les journalistes envoyer les gens, problème. Donc finalement, Haïti, c'est un vaste problème. Puisque ce n'est pas monsieur politique. Alors qu'on y a, nous-mêmes dans la société, on a dit c'est monsieur politique, pas 40 ans, pas 40 ans, mais qu'on y a un indigne. Okay, chaque c'est toutes les couches sociales. Donc je dis, Haïti, c'est un problème. Bon, maintenant. Il faut que vous fassiez le conseil électoral. Là. Comme vous avez un délai, nous n'avons pas dit qui ça clan à quoi 3 avril, là, parce que le pas publié. Et s'il n'est pas publié, nous pas pas parler trop de lui. Théoriquement, il n'est pas opposable à nous. Peut-être qu'il est opposable seulement à Moun qui était signé. C'est peut-être sous forme d'accord sur un privé. Bon, c'est un cas insolite, mais ce qui est certain, c'est que si vous remontez le conseil électoral là, et que le secteur n'est pas voué Moun, qui outils vous avez dans la main, qui pion de réchange que vous avez, est-ce que les ça, vous avez décidé, vous-même, vous montez le conseil électoral là. Vous choisissez des gens dans l'autre secteur. Même si, par exemple, vous avez dit dans le droit humain, vous avez un peu pour les gens qui étaient dans le droit humain quand même, les ça, pour avoir des problèmes, des gens qui ont monté au créneau. Et jusqu'à présent, vous n'avez pas choisi, vous avez des secteurs qui ont monté au créneau pour dire, et Jean a fait là, il n'est pas comme ça. Donc, son pays véritablement malade. Son pays véritablement malade, mais nous espérons quand même que l'espoir va reprendre afin que ce pays ne soit plus malade. Merci infiniment, Maître Patrick Laurent. Au plaisir. Voilà les précisions du Maître Patrick Laurent. Il était l'invité de Maître News ce soir pour aborder les différents sujets qui font actualité.